Effectivement, je vais me présenter un petit peu par rapport à l'UTBM. En fait, je suis arrivée à l'UTBM en 2000. J'ai suivi le tronc commun. Et c'était pas toujours facile, le tronc commun. Et en fait, ensuite, quand je suis arrivée en branche, j'ai trouvé un peu plus de motivation. À la base, en fait, je naviguais depuis que j'avais l'âge de 7 ans. Et je savais déjà, dès très jeune, que c'était ma passion. Puisque quand on me demandait, quand j'étais petite, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je répondais Isabelle Autissier. Donc voilà, la voile pour moi, c'est inscrit depuis longtemps. Ça a toujours été le fil rouge de ma vie. Et en fait, j'avais choisi l'UTBM et les écoles d'ingénieurs parce que je voulais travailler dans la conception à la base aussi des bateaux. Donc en fait, je m'étais dit que j'allais faire un cursus d'ingénieur pour pouvoir réussir ensuite à travailler dans les cabinets d'architecture navale et donc avoir cet aspect marin et aussi l'aspect conception. Et donc c'est à peu près ce que j'ai réussi à faire puisque en sortant de l'UTBM j'ai trouvé des emplois auprès d'architectes et en fait au bout de 6 ans j'ai fait un petit bilan et je me suis dit bon j'ai à peu près atteint mes objectifs en tant qu'ingénieur mais je crois qu'en fait je commence à m'embêter un peu. Ça faisait 3 ans et demi que j'étais en poste, je commençais à bien connaître mon métier. Et puis j'en avais un petit peu marre de passer 8 heures par jour sur une chaise, derrière un écran d'ordinateur, à dessiner des bateaux pour des gens qui allaient autour du monde avec. Donc je me suis dit, il est temps d'agir, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'horizon, j'ai besoin d'embrun. Donc voilà, je vais mettre en place mon projet. Et mon projet, ce sera la Mini Transat. Donc voilà, la Mini Transat, en fait... hop là. Excusez-moi, petit internet technique. Donc voilà, pour l'année de mes 30 ans, je me suis dit je vais faire la Mini Transat. Et en fait, il y avait autre chose qui était arrivée pendant mon cursus, c'était les biocomposites. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le composite, comme vous le savez peut-être ou comme vous ne le savez pas encore, c'est des matériaux constitués de fibres qui reprennent les efforts et de résine qui constituent le liant en fait. Donc, c'est des matériaux qui sont intéressants, qui présentent des bonnes propriétés mécaniques et qui sont légers, mais qui sont issus essentiellement de la pétrochimie. Et en fait, on faisait des très très beaux bateaux, mais avec des matériaux vraiment pas terribles. Et un jour, j'ai vu arriver le lin. Et là, je me suis dit, ça, c'est super intéressant parce qu'on a une fibre en plus qui est exploitée localement. Donc, non seulement dans le produit lui-même, mais en plus dans la manière dont il est exploité, on se rapproche d'un modèle qui est beaucoup plus orienté écologie et développement durable. Et pour ne rien gâcher, pour les opérateurs à mettre en œuvre, c'est bien plus propre. Là où la fibre de verre peut créer beaucoup de maladies, sur les fibres de lin, on a beaucoup moins de problèmes. Et donc, c'est vraiment très intéressant à ces niveaux-là. Et donc je me suis dit que ma Transat, j'allais lui ajouter un sens en plus, et donc j'allais partir avec un bateau qui était composé pour une proportion de fibres de lin. C'est-à-dire qu'en fait, la coque du bateau est constituée de fibres et sa structure est constituée de carbone. C'était le premier bateau à destination du large, à destination hauturière, qui était fabriqué, donc c'était normal de limiter la quantité de fibres à des parties qui sont moins essentielles. Donc en fait, on se dit, le plus gros du boulot, c'est de traverser l'Atlantique, c'est déjà un bon gros morceau. En fait, rassurez-vous, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que pour traverser l'Atlantique, en fait, d'abord, il faut des sous. Et oui, on en revient toujours à ce problème-là. Et il faut pas mal de sous. Alors j'en avais mis un peu de côté, donc j'avais un petit budget de départ, mais j'en avais clairement pas assez pour être autonome. Donc je me suis dit, pour trouver des sous, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc la première chose à faire, en fait, c'est de mettre en place des outils de communication, puisque j'allais me lancer dans une recherche de sponsors. Est-ce que les sponsors et les mécènes recherchent, c'est de la communication. Ils sont prêts donc à investir dans un projet en échange de communication. Donc j'ai utilisé les outils de communication actuels, à savoir j'ai créé un petit blog. Voilà, en le structurant donc avec... j'ai un peu tout créé moi-même, toute la charte graphique et tout le blog. Et donc avec des petits... une organisation qui met en valeur les mécènes et les sponsors.
Et puis une activité assez régulière, je faisais paraître une petite news ou une petite actualité tous les 15 jours ou tous les mois pour garder toujours un peu de vie sur ce petit blog. J'ai aussi mis en place via les... Ah bah tiens, il n'est pas content. Via une newsletter, via voilà, un outil qui s'appelle MailChimp, qui marche pas mal. Et donc cette newsletter, ça me permettait d'informer donc mes contacts de manière plus active, puisque le blog, c'est une manière passive, il faut que les gens se connectent pour aller trouver l'information. La newsletter, c'est moi qui l'envoyais, donc ça me permettait, certains qui préféraient avoir ce moyen-là, ça me permettait de les toucher aussi. Et enfin, Facebook, donc là, par contre, c'est une communication qui est encore un peu plus... importante en termes de nombre d'informations. Il faut essayer de rester actif assez souvent sur Facebook pour continuer d'exister. Ça a presque d'ailleurs un peu une tyrannie au bout d'un moment parce qu'on est toujours obligé d'essayer de publier des choses. Mais bon, voilà. Donc j'ai mis en place tous ces médias-là. Donc ça, c'est mon outil de base, c'est mon produit, c'est ce que je propose, quoi. Je vais aller voir les gens, je vais leur dire bonjour, je vais faire une transat et je vais parler de cette transat via ces médias-là. Donc, pour aller voir les gens, il a fallu que je trouve des endroits. Et donc, je suis allée avec ma petite plaquette au salon Ecobat. Alors, c'était le 2013. Je suis aussi retournée au 2014. Mais voilà, le salon Ecobat, c'est un salon autour du bâtiment et des économies d'énergie et de l'écologie. Donc, ça correspondait à ma cible, puisqu'en fait, il se trouve que dans les navigants, il y a beaucoup d'architectes et beaucoup de médecins. Donc d'aller sur un salon qui concerne le bâtiment, c'était une manière de cibler en fait les gens qui pouvaient m'accompagner. Voilà, donc le salon Ecobat où j'ai été plutôt bien reçue. J'ai réussi en fait sur le salon à trouver un partenaire qui m'a fourni mes panneaux solaires pour le bateau, ce qui représente une somme d'à peu près 1000 euros, donc c'est pas négligeable. Et voilà, et ça m'a permis aussi de nouer des contacts qui ne sont pas transformés en financement, mais qui peuvent le devenir... Pour plus tard, je surveille ceux qui suivent activement mes nouvelles. Je vois sur les newsletters ceux qui sont actifs, qui cliquent et qui s'intéressent. Et donc, je sais quelles entreprises je dois rappeler régulièrement et maintenir le contact avec eux. Voilà. Et je suis aussi allée au salon Vivre Autrement. Alors ça, je me suis dit que ça correspondait aussi à ma cible parce que c'est un salon qui est tourné vers les alternatives de vie, des modes de consommation plus orientés vers le bio, plus durable. Donc je me suis dit que ça correspondait un peu à mon projet. Et alors en fait, ça a été relativement difficile, le salon Vivre Autrement, parce que je me suis retrouvée avec plein de dames qui essayaient de me tartiner de cosmétiques bio et de me faire avaler des gélules avec des trucs bizarres dedans. Donc ça n'a pas été facile. J'ai quand même tenu 2 jours où j'ai continué vaillamment à aller voir les gens avec mes plaquettes. Mais je ne peux pas dire que ça a été très concluant. Donc voilà, en tout cas... je pense que quand on veut se lancer dans un projet, il ne faut pas hésiter à aller dans ce genre d'extrémité. Ce n'est pas facile, hein. Je vous assure qu'avoir son petit dossier et aller aborder les gens pour leur présenter son projet et demander des financements, ça demande pas mal de courage et de motivation. Mais bon, je savais pourquoi j'y allais et donc du coup j'y suis allée. Et au final, ça a été positif parce que ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi dans ma prise de parole vis-à-vis du public et des professionnels. Et ce qui est important en fait, puisque aujourd'hui, avec les projets que je monte, c'est vraiment important pour moi d'être capable de vous faire une présentation comme aujourd'hui et de parler à plein de gens, aussi bien des directeurs d'entreprise que des élèves de CP de mon projet et réussir à adapter mon discours au public que j'ai. Donc voilà, pour vous, j'ai décidé d'orienter plutôt la présentation sur l'aspect projet. Parce que je pense que tôt ou tard, dans votre vie, vous aurez envie de monter des projets et je vous le souhaite vraiment vivement. Ouais. Parce que en ce qui me concerne, c'est vraiment pour moi un sens énorme à ma vie. Et je pense que sans ça, je trouverais la vie beaucoup plus triste. Voilà. Alors, donc pour enchaîner, j'ai fait les salons et puis j'ai évidemment fait marcher mon réseau. Et dans mon réseau, il y avait l'UTBM. Donc voilà, l'UTBM, j'ai été pas mal suivie puisqu'ils ont participé financièrement. Ils ont aussi organisé une communication autour de l'événement. J'ai eu aussi de bons contacts avec les anciens élèves qui ont effectivement participé à ma campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank.
Et j'ai eu aussi des étudiants qui ont participé. Je ne sais pas si vous êtes là, mais c'est rigolo, j'ai eu des petits montants de versés. Il y en a un qui se cache derrière là-bas. Non, vous n'êtes pas obligé de vous désigner, mais en tout cas, merci beaucoup, parce que même si c'était des petits montants, je dois dire que ça fait en fait très plaisir, parce que n'importe quel soutien est vraiment important et vraiment décisif dans les moments de doute. Et donc, même si c'était des petits montants, je peux vous dire que pour moi, ils avaient autant de valeur que les grands montants, quoi. Voilà, donc je vous remercie vivement pour ceux qui ont participé, et je vous remercie vivement pour votre soutien moral et à quel niveau qu'il soit. Voilà, donc là j'avais les bases de ma communication et les bases de ma démarche pour rechercher des sous. Et donc j'ai récupéré mon bateau, donc existant, qui appartenait à un ami à moi, et j'ai commencé par faire un petit chantier. Alors le chantier, c'est pas la partie, la partie la plus rigolote. Donc là voilà, je suis à Concarneau, dans les locaux en fait de Roland Jourdain, dans une société qui s'appelle Kairos. Roland Jourdain, c'est un coureur au large qui a fait le Vendée Globe, entre autres, et avec qui j'ai de bons liens, parce qu'en fait il s'intéresse lui aussi aux fibres naturelles. Et donc c'est assez naturellement que j'ai été faire mon chantier chez lui. Donc là on voit ma quille pendulaire. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont posé des questions sur la quille pendulaire. En fait c'est une quille qu'on peut basculer sous le bateau. Donc on voit en fait l'axe qui est là au milieu. Et donc la quille bascule autour de cet axe. Et au-dessus de l'axe on a le bras de levier. Ça permet d'ailleurs de se donner une petite idée des efforts qu'il y a là-dedans. Parce qu'il faut savoir qu'en bas le plomb, le lest, il fait à peu près 200 kg. Donc si vous calculez votre moment de redressement entre là-haut où on tire avec des petites ficelles et en bas où on manœuvre 200 kg de plomb, vous avez une idée un peu des efforts que ça représente en fait. C'est énorme. La quille au total, elle fait 2 mètres à peu près. Et donc j'ai des palans en fait qui permettent de démultiplier les efforts et j'ai des winches qui permettent encore de démultiplier les efforts qui me permettent de manœuvrer la quille. Mais c'est une des choses les plus dures sur le bateau physiquement. Ça me prenait environ entre 1 minute et 5 minutes pour basculer la quille au vent, à wincher comme une malade. Donc ça, c'est un des trucs sur le bateau physiquement qui était le plus difficile. Mais bon, on y arrive quand même. Hein. C'est qu'une question de temps et d'endurance. Voilà. Alors le chantier, ça implique aussi les manutentions. Voilà. Alors là, je suis en train de retourner le bateau. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on veut faire une aventure en solitaire, mais que on va pas pouvoir se débrouiller toute seule. Parce que retourner un bateau comme ça, à l'aide de palans, même très bien pensé, si on regarde le système, c'est assez compliqué. En fait, c'est vraiment pas si simple, et il faut au moins être deux. Et c'est ça, peut-être un des plus grands moments de solitude que j'ai eu, c'est que c'est bien gentil de vouloir se lancer en solitaire, mais... c'est sûr qu'on ne pourra pas le faire toute seule, donc c'est rigolo, il y a une bonne contradiction. Et heureusement, j'avais auprès de moi des gens, ma famille, mes amis, qui se sont rendus disponibles et qui m'ont énormément aidée. Et donc j'avais du monde qui était présent lors de ces manœuvres-là, que je pouvais appeler, et qui venait complètement bénévolement me donner un coup de main. Et c'est un aussi des aspects du projet qui est très impressionnant, c'est de voir l'implication en fait, de la famille et des proches, de voir à quel point ils sont capables en fait, de donner de l'énergie et de l'amour pour nous aider à réaliser ce genre de projet. Moi, j'avais un peu peur de me retrouver un peu toute seule. Et en fait, ça n'a pas été du tout le cas. Finalement, à chaque étape du projet, j'avais des copains, j'avais de la famille qui était là et qui m'aidait. Et au final, il n'y a pas eu un jour où je me suis retrouvée toute seule, les bras ballants, à me dire « mais comment je vais m'en sortir ?» quoi. Donc ça, c'est un des aspects assez magiques du projet, quoi. Voilà pour le chantier. Donc ensuite, j'ai mis mon petit bateau à l'eau et je suis partie faire ce qu'on appelle un parcours de qualification parce qu'ils ne nous laissent pas traverser l'Atlantique en solitaire sur des coques de noix comme ça. Il faut en plus se qualifier. Donc pour me qualifier, il fallait que je fasse des courses et il fallait que je fasse un parcours en solo. Donc le parcours en solo, il partait. Je suis partie de Douarnenez, je suis montée jusqu'en Irlande, tourner une bouée. Je suis revenue jusque vers La Rochelle et je suis rentrée à Douarnenez. Ça m'a pris une semaine environ. Et donc ça a été ma première grande confrontation avec la solitude. Donc c'est d'autant plus solitaire que du coup j'étais le seul bateau, c'était pas une course, donc on n'était pas une flotte. Et donc ça m'a permis un peu d'être confrontée à tout...
à toutes les problématiques du solitaire. Donc voilà, j'ai quand même plutôt pris du plaisir sur cette qualification. Je me suis rendu compte que j'avançais bien, que ça se passait pas trop mal et qu'en fait, j'arrivais petit à petit à apprivoiser mon bateau et à adapter en fait les manœuvres pour que ça soit moins difficile pour moi. Donc ça, c'est mon arrivée sur les côtes irlandaises, où j'ai été tourner une petite bouée qui s'appelle Königsberg. Et quand je suis arrivée sur l'Irlande, c'était incroyable. Il y avait un temps magnifique. Ça m'est arrivé dans mes navigations d'avant d'aller en Irlande dans des conditions super difficiles. Cette fois-là, j'ai vraiment eu de la chance. C'était vraiment incroyable le temps qu'il faisait. C'était d'ailleurs un peu frustrant de ne pas s'arrêter. C'est un peu ce qu'on se dit des fois. C'est un peu bête de faire tant de chemin pour juste tourner autour d'une bouée. Mais bon, c'est ça les enjeux de la course, en fait. Je pense que j'y retournerai faire de la croisière plus tard. Donc voilà, une petite lessive. C'est important aussi quand même, un peu d'hygiène. Et puis voilà, j'ai eu des conditions assez calmes. Là, ce qu'on voit en fait devant la voile, elle s'appelle le Jenacker. Et en fait, elle est installée là parce que j'aimais bien m'allonger dedans et somnoler tranquillou pendant que le bateau avançait. Bon, ça s'est un petit peu raté, c'est un peu le bazar, quoi. Voilà. Donc, en fait, en solitaire, c'est vite le bazar dans le bateau. Forcément, on est tout seul pour ranger et faire tout le reste. Donc, voilà, si on s'en occupe pas, ça donne ça. Donc voilà. Ça, c'était un petit moment assez magique. J'avais passé une nuit très difficile où il n'y avait pas du tout de vent. Donc, j'avançais pas des masses. Et le jour s'est levé et j'ai pu envoyer, en fait, le SPI. Donc ça, c'est une grande voile, une grande voile, très gonflée. C'est le ballon coloré qu'on voit à l'avant du bateau. Je pense que même ceux qui font pas de bateau, ils voient un peu quelle voile c'est. Et donc c'est une voile, quand on l'a, on avance assez vite. Donc c'est appréciable. Quand on n'a pas avancé de la nuit, tout d'un coup, hop, le vent se relève et on avance relativement vite. Et ça va beaucoup mieux, en fait. Voilà, ça c'était l'arrivée sur la bouée au niveau de Rochebonne, donc au large de La Rochelle. J'ai eu beaucoup de mal à l'atteindre, cette bouée-là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de vent, et ça a été très pénible. Voilà, donc ça c'était ma qualification. Et ensuite, une fois que j'ai été qualifiée, il a aussi fallu que je me qualifie en course. Donc en course... j'ai fait une course en solo qui s'appelle la Select 650 et qui dure 3 jours. C'était ma première grande course en solo. Ça n'a pas vraiment été une réussite au niveau du classement, mais bon, pendant toute la course, je me suis dit mon objectif, c'est de finir, donc j'avance. Voilà, et je suis arrivée au final, je ne sais plus, 35e sur 50 bateaux. Mais bon, moi, je suis arrivée et c'est l'essentiel. Et puis, voilà, de fil en aiguille... j'ai pu obtenir ma qualification pour la Mini Transat et compléter mes financements donc grâce au Kiss Kiss Bank Bank dont je parlais. Et donc j'en ai profité en fait pour ramener le bateau à Vannes et faire un petit événement assez sympa. En fait, j'ai fait le baptême du bateau. Donc en fait, j'avais des partenaires Vannetais, donc ça me permettait en fait d'organiser pour eux un petit événement sympa où ils puissent inviter leurs salariés, leurs clients, leurs fournisseurs et partager un peu ça de manière informelle. Et donc voilà, là on voit un cabinet d'architecture qui m'a suivi, qui s'appelle Nomad, qui ont été très sympas et donc qui étaient présents ce jour-là. Donc voilà le bateau, les petits acteurs qui étaient là. Et en fait j'avais choisi pour marraine une petite abeille, parce que sans les abeilles il n'y a pas de fibre. Donc voilà la petite abeille en fait qui a 3 ans. Et donc qui a baptisé mon bateau. Donc voilà, je l'emmène sur le bateau avec le champagne. Alors voilà, il y a certaines photos qui sont pas top, hein, faut pas donner de champagne aux enfants. Mais bon, rassurez-vous, le champagne est essentiellement allé sur le bateau. Et un petit peu pour moi aussi quand même. Voilà, donc aucun enfant n'a bu d'alcool durant cette séquence photo. Voilà, dans mes partenaires aussi à Vannes, j'avais les commerçants des Halles, donc ça c'était assez rigolo, ils ont organisé un suivi de la course un peu comme il y a pu avoir à l'UTBM, ils actualisaient ma position tous les jours, et les clients des Halles du coup passaient et discutaient un peu à la manière dont vous avez pu vous discuter à l'UTBM, et ça a été aussi très bien apprécié en fait, ça leur a permis de créer un petit lien avec leurs clients autres que uniquement marchands. Et ils ont été aussi très contents de l'aventure, quoi.
Voilà, donc de fil en aiguille, eh ben, je suis arrivée à Douarnenez. Donc à Douarnenez, je suis pas sûre qu'il y en a beaucoup qui sachent où c'est ici. C'est si. Donc c'est en Bretagne, surprenamment. Et c'est dans le Finistère, à la fin de la terre, comme Penarbed en breton. Et c'est assez sympa, c'est très bonne ambiance. Donc voilà, ça c'était à l'arrivée sur Douarnenez. En fait, j'avais pas encore la déco sur mon bateau. Et la photo est assez sympa dans la baie de Douarnenez. Ça a été pris par un photographe qui s'appelle Jacques Bapillon, qui a pris des très belles photos de mon bateau et de moi à l'arrivée. Je suis assez contente d'avoir ces petits bateaux, ces petites photos. Voilà, donc ça c'est une vue du port Rue. C'est un port qui est dans le centre de Douarnenez. Et donc on voit toute la flotte de bateaux. Au total, il y en a 84 qui s'apprêtent à partir donc pour traverser l'Atlantique. J'ai des partenaires qui sont venus sur le départ et c'était vraiment un moment super sympa parce que ils ont pu sentir l'ambiance de la course sur les pontons. Il y a aussi un petit village de course avec des animations et tout le monde a pu en profiter. Et donc le départ n'a pas été lancé le jour même. Ils avaient prévenu en partant qu'il y avait une tempête qui arrivait, encore une. Et donc il fallait qu'on parte très très vite dans le sud pour l'éviter au maximum et qu'il a été possible qu'il neutralise la course en Espagne au cas où cette tempête soit plus virulente et plus rapide que prévu. Et c'est finalement ce qui s'est produit. Ils nous ont donné une instruction de course à peu près la moitié de la course en nous disant non seulement de nous arrêter en Espagne mais en plus de rallier le port le plus proche. Voilà, et moi sur le départ, en plus, j'ai eu une autre petite mauvaise aventure, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu un concurrent qui est rentré en fait en collision avec moi, donc c'était pas du tout de ma faute, il était d'ailleurs désolé, mais j'ai fait un trou énorme dans son bateau. Moi, j'ai eu bien peur que l'aventure se finisse, et je peux vous dire que quand au bout d'une demi-heure, on a l'aventure qui s'arrête, on a un an de projet à peu près qui tombe à l'eau, c'est très très dur moralement. Et heureusement pour moi, j'avais encore du monde avec moi à ce moment-là. Je pensais en faisant demi-tour, arriver au port et être toute seule et misérable sur mon ponton à côté de mon bateau. Et en fin de compte, quand j'ai fait demi-tour et que j'ai commencé à approcher de Douarnenez, j'ai vu un Zodiac qui sortait. Et là, sur le Zodiac, il y avait le propriétaire de mon bateau qui était là, qui était resté là pour le départ et qui était resté un peu plus longtemps. Et puis, il y avait des copains à moi qui sont en fait préparateurs sur des bateaux du Vendée Globe. Et ils sont venus récupérer mon bateau, ils m'ont tracté jusqu'au port, ils m'ont demandé ce qui s'était passé. Et quand j'ai mis le pied sur le ponton, Thibaut m'a dit « Écoute, t'en fais pas, t'inquiète pas, tu pars une heure, tu vas te reposer, tu prends un café, tu fais ce que tu veux, on s'occupe de tout, dans une heure tu repars. » Et en fait, ils sont tous activés, ils étaient 7 à travailler sur le bateau. Il y avait la personne qui a géré tous les cordages sur le bateau, parce que c'est un métier à part entière, et j'en ai géré une partie, mais je me suis fait aider là-dessus. J'ai aussi une personne qui m'a aidé à me préparer dans les 15 derniers jours qui était là. Et en gros, j'avais une team encore mieux que sur le Vendée Globe qui était en train de s'activer à fond sur le bateau. Et d'un moment assez difficile, ben, c'est devenu vraiment un moment génial parce qu'ils étaient tous là vraiment à mettre une énergie pas possible pour que je puisse repartir. Et j'étais vraiment super contente, quoi. Je leur disais, mais les gars, qu'est-ce que vous faites si je m'arrête aux Canaries? Vous venez et tout. Franchement, c'est super, une équipe comme ça, je veux bien et tout. Et donc voilà, ça a transformé une expérience un peu difficile en un moment assez incroyable. Et au final, je suis repartie, je suis la seule concurrente à être partie. Il y en a d'autres qui ont fait demi-tour derrière, mais comme la tempête arrivait, le directeur de course ne les a pas autorisés à repartir. Donc j'ai été la seule à passer entre les mailles du filet. Et c'était un peu dur ça aussi, du coup, de croiser les autres, et je les avais à la radio. Et je leur disais que, ben, que ça allait être difficile pour eux de repartir parce que derrière, il y avait toujours cette fameuse tempête. Donc voilà, et donc comme j'étais plutôt avec l'arrière de la flotte, je ne me suis pas retrouvée avec ceux qui ont atterri en Corogne. Je me suis retrouvée évidemment à Sada, excusez-moi, à Riron, donc à environ 300 milles de Sada dans l'Est. Et il a fallu en fait qu'on convoie de Riron vers Sada, ce qui n'a pas été une partie de plaisir, en fait. On a été assez malmenés, encore une fois, par les conditions météo. Et on a eu, en fait, des conditions très très dures lors du convoyage. On a même dû s'arrêter en plein milieu du convoyage. On s'est retrouvés dans une espèce d'anse prévue normalement pour les métaniers. Et on était une flotte de 30 bateaux à ce moment-là,
à avoir jeté l'ancre. Donc c'était une image totalement improbable, parce que d'habitude, comme on est des bateaux de course qui sont parfois un peu difficiles à manœuvrer, surtout au port, on n'a pas de moteur. Donc en fait, il y a toujours des zodiaques normalement qui viennent nous chercher, qui nous ramènent au port. Et là, on était toute une flotte complètement libre, en train de faire un petit mouillage, comme si on était en croisière au milieu des côtes espagnoles. Et alors qu'on s'était préparé pour traverser l'Atlantique en solitaire, que plus on avançait dans la saison, plus c'était difficile, parce que les jours raccourcissaient, les tempêtes se faisaient de plus en plus violentes. Enfin, ça a vraiment été une sacrée épreuve. Je pense que ça nous a bien... On est ressorti bien solidaires de tout ça, parce que ça n'a vraiment pas été facile. Mais... si, c'est bon. Mais au final, on est tous arrivés à bon port à Sada. Alors j'ai été un peu vite, je vous fais les photos du départ de Douarnenez. Excusez-moi, je pense que à ma deuxième présentation, la coordination souffre un peu. Veuillez m'en excuser. Alors voilà, donc ça c'est le départ de Douarnenez. Donc les bateaux sortent du port et commencent à hisser la grand voile au petit matin. Et le départ est donné. Voilà, donc les jolies côtes bretonnes. Et voilà, donc ça c'est un grand moment le départ en fait, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est l'achèvement et le commencement de l'aventure, et c'est vraiment quelque chose de très fort quoi, qu'on vit je pense assez intensément. On est forcément fatigué parce que la nuit d'avant c'est très dur de dormir. Et en plus, on s'est levé tôt parce qu'en fait, là, on sort du port à 8h du matin, mais ça veut dire qu'en fait, on a eu un briefing à 7h et qu'on s'est levé grosso modo à 5h du matin, quoi. Donc en fait, c'est un moment qui est assez exceptionnel. Donc voilà, et donc j'en reviens à Sada, où on s'est tous retrouvés du coup pour un briefing. Et en fait, là, l'heure commençait à être grave, parce qu'en fait, la course avait pris tellement de retard que les Canaries ne pouvaient plus nous accueillir. Donc en fait, ils nous ont dit que grosso modo, soit ils annulaient la course, soit ils ne savaient pas ce qu'on pouvait faire. Donc c'est les coureurs qui ont proposé d'eux-mêmes qu'on supprime l'escale aux Canaries. Donc là, ça fait quand même un choc, parce que donc, ça fait déjà 3 semaines qu'on bataille pour essayer de prendre un départ. On s'est préparé à faire une étape d'à peu près une semaine, suivie d'une étape d'à peu près 15 jours. Et là, on se dit qu'en fait, on va passer 3 semaines finalement tout seul au milieu de l'océan. Et ça fait un peu une différence parce que moi, j'avais passé une semaine déjà toute seule. Mais passer d'une semaine à 2 semaines, je l'envisageais. Passer d'une semaine à 3 semaines, ça fait un peu peur. Mais bon, à un moment, quand on a dépensé tellement d'énergie, tellement de sous, et même l'énergie des autres et les sous des autres, et ben, on se dit que de toute façon, on y va, on ne se pose pas la question. Et ça a été une sacrée décision pour moi. C'était quand même très, très très fort. Il y en a qui ont pris la décision du coup d'abandonner. Il y a environ 3-4 coureurs en fait qui se sont pas sentis, étant donné la fatigue accumulée par le convoyage et par ce qui s'était passé avant. Ils se sont pas sentis de partir. Moi, je crois que je pouvais pas ne pas partir. Je pense que prendre la décision de pas partir quand il y a tellement de gens qui vous suivent, c'est quelque part très courageux en fait. Et voilà, donc moi de toute façon j'avais décidé d'y aller. Donc je suis partie et me voilà partie. Donc, ah oui, et donc pour vous montrer un petit peu l'ambiance en fait au briefing, donc le briefing de départ de Sada. Donc voilà, ça vous permet je pense un peu de sentir l'ambiance, c'est des photos des coureurs. Donc là, en fait, ils venaient de nous présenter les conditions météo pour le premier tronçon de Sada aux Canaries, parce qu'il ne faut pas croire qu'on allait être épargné. Donc en fait, voilà, c'est pas facile. Les têtes parlent d'elles-mêmes. Voilà. Ouais, ils nous annonçaient vraiment des conditions épouvantables. Et c'est vrai qu'on en avait déjà vu pas mal. Voilà, c'était pour vous donner un peu, je pense que ça traduit bien l'ambiance et l'état d'esprit dans lequel on était à ce moment-là, où ben, je pense que d'une aventure, en fait, cette transat, ça a été carrément une épopée. D'habitude, c'est déjà une sacrée aventure, mais je pense que l'édition 2013, elle restera dans les mémoires, et les coureurs qui ont réussi à la terminer
je pense que ça restera quelque chose de très fort, quoi. Les gens avec qui j'ai fait cette course, c'est des gens avec qui je vais garder des liens toute ma vie, je pense. Donc voilà. Simon, il est arrivé troisième finalement. Inquiet, mais il termine pas si mal. Donc voilà, ça c'est moi. Un qui avait fait la fête la veille. Et voilà, ça c'est Bertrand Delaine en fait, qui a déjà fait 3 mini transat et qui désormais cherche des sponsors pour faire la route du Rhum. Et donc malgré son expérience, on voit qu'il n'était pas beaucoup plus confiant que les autres. Quoi. Donc nous voilà partis de Sada. Hop, ici. Donc là voilà, ça c'est mon bateau, en pas trop mauvaise position apparemment, ou alors c'est la photo qui est bien prise, on sait pas. Donc ça c'était juste avant le départ en fait de Sada, et je venais d'apprendre justement, je vous disais, il y a 3-4 personnes qui ont abandonné, et sur le même ponton que moi en fait il y avait une fille que je connais assez bien, avec qui forcément j'ai des liens d'amitié, ça fait 3 ans qu'elle préparait son projet, et elle a décidé d'abandonner le matin du départ à Sada. Et donc elle est venue me voir les larmes aux yeux en me souhaitant une bonne traversée. Et là en fait ça m'a mis un coup pas possible parce que moi ça faisait 8 mois, je m'étais à peine entraînée parce que j'avais géré tellement de trucs que l'entraînement s'était pas passé en première ligne. Je pensais être prête, je pensais avoir vraiment les connaissances et les capacités nécessaires pour affronter ce qu'on avait à affronter. Mais ça m'a mis un coup au moral énorme de voir cette fille qui était super entraînée, qui avait un super bateau et qui était prête, vraiment beaucoup plus prête que moi, parce que moi j'étais tellement dans l'urgence tout le temps que je dois dire que j'étais suffisamment prête, mais on ne peut pas dire que j'étais ultra prête. Et elle, je pense qu'elle était plutôt ultra prête. Et en fait, voilà, elle n'a pas pris le départ. Et là, je pense qu'à ce moment-là, j'avais une bonne boule dans le ventre et je me demandais mais pourquoi j'y vais, je suis complètement folle. Mais bon, j'y suis allée quand même. Donc pour vous montrer un petit peu les conditions qu'on a rencontrées au début, donc au passage du Cap Finistéré, je vais vous passer la vidéo d'un autre concurrent, parce que moi en fait j'ai eu un petit souci, j'ai perdu ma caméra à la fin de la course, donc j'ai malheureusement aucune vidéo de ma transat. Par contre, comme j'ai quand même des copains qui l'ont faite aussi, ils m'ont prêté quelques vidéos qui me permettent de bien traduire, je pense, l'ambiance qu'il y avait, et on a vécu quand même globalement les mêmes choses. Donc je vais vous passer quelques vidéos de ces autres concurrents qui vous permettront en fait de voir un peu l'ambiance. Passage du Cap Finistère, c'est la guerre, c'est chaud chaud. Accélération.
Donc voilà, dans ces moments-là, ça secoue un peu. C'est le cas de le dire. La vidéo, en fait, aplatit énormément la mer, mais la mer, à ce moment-là, était très formée. Donc ça, c'était le premier soir au départ de l'Espagne. Et en fait, les conditions ont largement empiré dans la nuit. On est arrivé jusqu'à des vents qui montaient jusqu'à 90 km/h. Donc ça, ça veut dire qu'ici, sur Terre, on est déjà en alerte météo. On doit être en niveau orange, je crois. Et en mer, en fait, ça devient assez difficile à gérer. Moi, j'avais choisi une route plutôt prudente. J'étais plutôt partie près des côtes. Et j'avais réglé mon bateau de manière à ce que ça se passe bien. J'avance pas forcément au plus vite, mais en tout cas, j'avais adopté une conduite plutôt prudente. C'est un moment, en fait, où... donc ça, c'était pas la première nuit, mais la nuit suivante, où les conditions étaient à peu près aussi dures. Il y a un des concurrents, en fait, qui s'est fait retourner par une vague avec son bateau. Donc, comme les bateaux sont larges, en fait, ils ont tendance à avoir envie de se retourner. Quand il y a des grosses vagues, hein, c'est dans des déferlantes, il faut imaginer un surfeur qui prend une vague et pour une raison ou une autre, la planche se met en travers et donc la vague peut le renverser un peu comme ça. Donc, c'est ça qui s'est passé. C'est pas extrêmement grave sur ces bateaux-là parce qu'en fait, une fois que le bateau est à l'envers avec le mât dans l'eau, l'eau sur les voiles fait que le bateau dématte assez vite. Et à partir du moment où le bateau a perdu son mât, la quille qui est au-dessus et les mouvements de la mer font qu'il se redresse naturellement. Donc normalement, au bout de quelques minutes, le bateau se remet à l'endroit. Et donc, ensuite, c'est des bateaux aussi qui ne peuvent pas couler, qui ont été conçus avec des réserves de flottabilité suffisantes et non destructibles en plusieurs endroits, qui font que quoi qu'il arrive, le bateau ne sera pas coulé. Et donc ce concurrent qui s'est retourné, en plus au moment où il est sorti dehors, il avait sa trappe, donc le trou qu'on voit là, qui était ouverte, donc le bateau s'est rempli d'eau. Donc du coup il a dû évacuer son navire rapidement, parce qu'il n'était pas dans des conditions très confortables, donc il a lancé un appel sur la radio, il a percuté sa balise de détresse, parce qu'on a des balises de détresse satellitaires, qui envoient un signal en fait au système de secours qui s'appelle le CROSS et les MRCC. En fait, sur les mers, on a un système de sécurité qui est coordonné au niveau international et suivant les eaux, en fait, où on a une détresse, c'est l'armée de tel ou tel pays qui intervient et qui vient nous chercher. S'il y a vraiment hyper urgence, ils peuvent envoyer des hélicoptères et réussir à venir en 2 heures. Donc, c'est assez exceptionnel. Le système, en fait, de secours sur les mers extrêmement bien organisé. Et donc en tout cas, pour Yann, il n'y avait pas vraiment d'urgence parce qu'il allait bien, donc il a réussi à signifier ça, que lui était en état, que son bateau était complètement détruit et qu'il ne pouvait plus avancer, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'urgence vitale. Donc du coup, c'est un cargo qui s'est détourné. Alors en plus, Yann, il s'appelle Lipinski parce qu'il est d'origine polonaise, et il se trouve que le cargo qui s'est dérouté, c'était un Polonais. Et donc Yann a eu un super accueil à bord, les marins étaient très contents. Bon, Yann, il était un peu secoué quand même, mais voilà, il était en vie et c'est ça l'essentiel. Et donc il a fini sa route avec le cargo en Tunisie. Donc voilà pour Yann, et aujourd'hui ça va mieux, il va repartir, il va certainement faire la Mini Transat 2015. Et il a retrouvé le moral. Mais donc voilà, c'est pour vous dire que ouais, les 3 premiers jours étaient particulièrement difficiles. Et donc voilà, cette petite vidéo, ça montre un peu les conditions qu'on peut rencontrer. Après ça, on a eu des conditions qui étaient quand même plus clémentes. Mais voilà, il y a des moments où c'est pas toujours facile. Et la tempête, ça fait partie des moments pas toujours faciles. Donc voilà, maintenant je vais faire une petite transition en fait sur un passage un peu plus doux, un moment très particulier en bateau. C'est la nuit en fait. Parce que la nuit, c'est particulier. Quand les conditions sont clémentes, que la mer est plutôt calme et que le ciel est à peu près dégagé, on voit vraiment un tapis d'étoiles. Et c'est assez incroyable parce que comme on est éloigné des côtes, il n'y a aucune lumière. Donc on voit les étoiles et la Voie lactée comme je pense nulle part ailleurs sur Terre. Et c'est vraiment super. C'est un spectacle qui est très impressionnant et qui est très émouvant. Il y a des moments en fait, où on voit quasiment comme en plein jour en fait, sur le bateau. Et j'exagère un peu, mais on voit vraiment très bien, en fait, on voit la mer, s'il y a des dauphins qui sont là, on les voit très bien. Et donc c'est super agréable, c'est super doux, le bateau avance tout seul. On se laisse un peu bercer aussi.
Et c'est les moments où on dort le plus. J'essaie aussi un peu de dormir dans la journée, mais quand même, l'essentiel du sommeil et de la récupération, elle se fait la nuit. Et donc, je dors par tranche de 20 minutes à 1 heure. Et quand c'est la nuit comme ça, ben, c'est rigolo, on se laisse un peu bercer par le bateau. Il est réglé, il y a le pilote qui marche, mais du coup, on lui fait confiance finalement et on se laisse glisser dans le sommeil. Et ça fait qu'on fait vraiment corps avec son bateau. Je trouve que dans ces moments-là, en fait, le bateau prend vraiment vie, quoi. Ça devient vraiment le compagnon et voilà, celui qui nous protège et qui nous emmène. Et on peut se permettre de dormir pendant que lui, il avance tout seul. Et c'est assez rigolo, en fait. C'est une sensation qui est vraiment particulière. Et qui est vraiment sympathique. Et donc, pour vous donner une petite illustration, en fait, quand on est dans la bannette, on appelle ça, c'est la couchette où on dort. En général, on voit par le trou de dehors. Et donc, voilà, on voit un petit peu les étoiles, le coucher du soleil, et on se laisse doucement bercer, et puis on s'endort petit à petit. Et en fait, c'est des sensations assez sympas. Bon, après, quand le réveil sonne, c'est un peu moins sympa, surtout qu'on a des réveils particulièrement agressifs, pour qu'ils réussissent à nous réveiller dans toutes les conditions. Mais en tout cas, le moment où on ferme les yeux, c'est plutôt pas mal, quoi, quand ça se passe bien. Par contre, quand c'est la tempête, là, on bascule bien dans l'opposé. La nuit, c'est le monde des extrêmes. Et là, ça devient vraiment difficile, en fait, quand on se fait secouer comme pas possible et qu'on essaie de dormir et que, voilà, dormir dans un shaker, c'est pas facile. Mais en fait, on y arrive quand même. Quand on a besoin de dormir, on dort. C'est incroyable. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse pour vous parler du monde de la nuit. Et je vais vous montrer une petite vidéo du passage aux Canaries. Donc l'arrivée sur les Canaries, qui est particulièrement sympa. Donc là on est encore avec Jonas. Et donc voilà, les Canaries c'est des îles qui sont assez hautes, volcaniques. Et donc en fait, comme on avait supprimé l'escale, en fait, c'était devenu une étape possible si on avait des problèmes techniques. Et il y a beaucoup de bateaux au final qui se sont arrêtés. Moi, ça m'a permis un peu de faire un hold-up sur le classement, parce que du coup, en passant les Canaries, je suis devenue 7e. Ça m'a d'ailleurs grandement motivée. À la base, j'étais pas sûre de m'arrêter parce que j'avais quand même plusieurs problèmes techniques. Notamment, je pouvais plus envoyer de spi parce que j'avais cassé le bout dehors, qui est le grand appendice qu'on voit devant. Et du coup, j'ai réussi, heureusement j'en avais un de spare, et j'ai réussi à le refixer, mais j'avais pas encore réussi à renvoyer de voile. En fait, les conditions étaient tellement dures que c'était super difficile de travailler à l'avant pour refixer ce grand machin qui, en plus, fait environ, dans mon cas, 3,80 m. Donc, je sais pas si vous vous imaginez, manipuler un truc de 3,80 m à l'avant du bateau, tenu uniquement par des boutes, pour réussir à le refixer, c'est vraiment pas une sinécure. Et il y en a plusieurs d'ailleurs qui se sont arrêtés pour cette raison-là. Que le bout dehors, les conditions étaient dures, donc le bout dehors, on est beaucoup à l'avoir cassé. Donc moi, j'en avais un en rab, donc j'étais plutôt bien lotie. Et j'ai réussi à le refixer, et juste devant les Canaries, j'ai réussi en fait à renvoyer mon spi. Donc du coup, j'ai dit, ok, c'est bon, je m'arrête pas. Je fonce. Et là, j'ai eu un petit moment de grâce, un super moment de ma transat, parce qu'en fait, donc dans les Canaries, il y avait effectivement une autre régate, la raison pour laquelle nous, on pouvait plus s'arrêter. Et en fait, c'était une régate de RC-44. Les RC-44, c'est des 44 pieds, donc ils font à peu près 12 mètres. C'est des gros bateaux qui sont conduits en équipage. Et en fait, il y avait une équipe française, Alep, qui était là en train de s'entraîner. C'était le coucher du soleil. Moi, j'étais toute seule sur mon bateau. J'avais d'autres trucs à bricoler et je voulais en profiter parce que la baie était plutôt calme. C'était la première fois qu'on avait une mer à peu près plate. Donc j'avais descendu ma grand voile et je réparais en fait des systèmes qui permettent de tenir la voile, des lattes. Et donc j'étais vraiment occupée à faire ça. Et en fait, ils sont passés avec leur bateau à 10 mètres de moi en hurlant et en m'encourageant. Et ça m'a fait halluciner parce que c'était un bateau énorme qui passait tout près de mon petit bateau avec à bord une dizaine de mecs qui étaient complètement à fond en train de hurler « Vas-y Annabelle et tout, vas-y, vas-y !» Ils me connaissaient alors que moi je les connaissais, enfin je les connaissais pas vraiment, enfin... C'était vraiment un moment incroyable, quoi. Et y a leur Zodiac en fait qui est venu vers moi, parce que c'est des bateaux en général qui ont des Zodiacs pour les accompagner, et qui a commencé à me dire « Est-ce qu'on t'emmène au port ?» et tout. Je fais « Non, non, moi je continue, je veux pas m'arrêter, c'est bon, je suis en train de gérer mon truc, là. » Et voilà, ça c'était vraiment un moment assez magique, quoi. Ils sont venus me saluer, ils sont repassés à côté de moi, donc le bateau, le RC-44 est repassé à côté de moi en me refaisant des hola et en m'acclamant, et c'était vraiment chouette, en fait, ça m'a bien reboosté, quoi. C'est le moment de la transat aussi où j'ai vu un peu du monde physiquement. Parce qu'après, en fait, j'ai eu du monde à la radio, mais je les voyais pas trop parce que les bateaux étaient plutôt loin, quoi. Donc on discutait, mais on se voyait pas forcément.
Donc voilà, ça c'est pour le passage des Canaries. Et en fait, après les Canaries, pour ceux qui ont suivi, vous avez dû voir que je suis descendue pas mal au sud. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on espérait capter les alizés. Les alizés, c'est les régimes de vent qui règnent entre un peu au-dessus de l'équateur et un peu au-dessus des tropiques. Et en fait, nous, on est dans les régimes plutôt de dépression. Et les régimes d'alizés, c'est plutôt des régimes de vent bien établis qui vont globalement vers l'ouest. Donc en fait, c'est pour ça que la route des marins depuis toujours pour traverser l'Atlantique, c'est de descendre plutôt au sud, au moins jusqu'aux Canaries, voire même jusqu'au Cap-Vert, pour ensuite en fait traverser et se faire pousser doucettement par les alizés. Mais des fois, en fait, quand il y a des dépressions ici, c'est plutôt cool, il y a de l'alizé en dessous. Mais il se trouve, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que cet hiver, vous avez eu une période de froid, je pense, cet automne, où il y avait un anticyclone sur l'Irlande. Et il a fait très froid, et donc voilà, au moment où on est parti de Dornonnet, on aurait vraiment aimé avoir l'anticyclone, mais il n'était pas là. Et au moment où on était dans le sud, on aurait vraiment aimé que vous ayez les dépressions, mais elles n'étaient pas là. Donc on n'a globalement pas eu de bol. Et donc pendant que vous aviez froid dans l'anticyclone, et ben nous, on était au milieu de l'Atlantique, dans l'ambiance qu'on appelle la pétole. Et donc voilà, la pétole, ça donne ça, et c'est pas drôle. Voilà. Donc là, je peux vous dire que c'est dur. Parce qu'en fait, globalement, on lutte vraiment péniblement pour garder des voiles gonflées. On n'y arrive vraiment pas tout le temps. Donc, pour réussir à avancer un tout petit peu, il faut déjà être en train de régler le bateau en permanence. Et en plus, on avance à peu près à 2 nœuds, c'est-à-dire à moins de 4 km/h. Donc, grosso modo, on sera presque plus rapide à pied. Et donc quand on commence à regarder le nombre de milles qui restent et la vitesse à laquelle on avance et qu'on fait un petit peu le calcul de quand est-ce qu'on va arriver, ben en fait on commence vraiment à paniquer et à se dire que ça va être très long. Et donc du coup, c'est ces moments-là moi, pour moi qui sont les plus durs parce que psychologiquement on a un peu l'impression qu'on verra jamais le bout du tunnel. Et pour vous donner un peu une illustration, ceux qui sont passés en premier aux Canaries, moi j'étais pas du tout dans la tête de flotte au début de la course à cause de mon problème de bout dehors, mais ceux qui sont passés en tête aux Canaries, ils étaient à peu près un jour devant nous, et ils sont arrivés une semaine avant en Guadeloupe. Donc moi j'ai passé à peu près une semaine de plus en mer, parce que justement j'avais pas de vent par rapport à la tête de course. Donc voilà, une semaine dans cette ambiance-là, bien sûr répartie, c'était pas une semaine d'affilée, mais nerveusement, en fait, c'est très très dur parce qu'on voit pas le bout du tunnel. Et donc, quand on a des concurrents à la radio, les grandes discussions, c'est ouais, combien il te reste de jours de bouffe, moi je m'inquiète un peu pour l'eau, tu penses qu'on arrivera quand, tu crois que ça va se lever. Enfin, c'est vraiment difficile ces conditions-là. Psychologiquement, c'est ce qu'il y a de plus dur en fait, la pétole. Et faut vraiment être nerveusement très très bon pour réussir à pas craquer quoi. Donc voilà, ça c'est un petit truc sympa la pétole. Donc après la pétole, je vais vous faire une petite description d'une journée un peu classique. Parce qu'en fait, sur Terre, je ne suis pas hyper routinière, mais en bateau, par contre, je le suis vraiment. Parce que c'est important, en fait, je pense, de garder un petit rythme et d'être assez pour son corps. Déjà, ça permet au corps de récupérer mieux. Pour son alimentation, ça permet d'être plus sérieux. Et même pour soi-même, pour le mental, la journée s'organise avec des petites tâches à faire. Et au final, ça permet de ne pas oublier les petits trucs essentiels à faire. Donc pendant ce temps, je vous montre un peu des petites photos prises en mer qui sont assez jolies. Donc voilà, en fait, la journée type, elle commence par la prise météo. Parce qu'en fait, on a un bulletin météo grandes ondes. Donc c'est comme la BBC pendant la guerre, les Français parlent au français. Donc on a une petite radio, un petit récepteur avec une antenne. Il faut moduler et c'est vraiment comme la BBC, c'est pas facile à capter. En plus, comme on est sur un bateau qui bouge et qu'on reçoit une onde en fonction de l'inclinaison de l'antenne, il faut réussir à moduler la fréquence de l'onde pour s'adapter.
Donc en fait, on continue, ça fait des pendant qu'on essaie d'écouter à peu près ce qu'essaie de nous dire notre directeur de course pour nous envoyer, pour nous donner ces informations météo et nous donner aussi un classement. Alors en fait, on a une distance au but, donc ça nous donne en fait un rayon, mais on ne sait pas par exemple le concurrent qui est le plus proche de nous, s'il est au nord, au sud. Donc ça nous donne à peu près une idée d'où on est, mais on est, c'est quand même pas super précis et ça laisse pas mal de questions à chaque fois. Donc voilà, donc moi je me levais grosso modo une heure avant le bulletin météo, suivant les conditions, des fois un peu plus tôt. Et à environ 9h, j'avais mon petit bulletin météo qui durait une heure. Et après, je passais environ 2 heures à me demander comment interpréter le bulletin météo et où aller. Et ça, c'est pas facile, ça met beaucoup de doutes. Et où sont les autres, et qu'est-ce qu'on va faire, et qu'est-ce qui nous attend, et voilà. Et après ces 2 heures-là, du coup, je me retrouvais à environ à l'heure midi, donc je mangeais mon petit repas du midi. Après, il y a les heures du début d'après-midi qui sont assez difficiles, parce qu'en fait, il fait très chaud, on est déjà sous les tropiques, et il y a le soleil qui cogne, et il n'y a pas beaucoup d'abri sur le bateau. Donc du coup, on essaie de se protéger comme on peut, mais c'est pas très simple. À l'intérieur du bateau, c'est encore pire, c'est les tubes, il n'y a pas un souffle d'air. Donc du coup, on essaie de somnoler et de se reposer un peu, mais c'est pas évident. Et puis, à mesure que l'après-midi avance, la température baisse un peu. Et donc là, je m'activais un peu sur le bateau. J'essayais de régler les voiles, tout ça, d'être un peu, de me motiver un peu. Et puis, le soir arrivant, en fait, je faisais mon petit dîner vers 20h UTC. Et puis, une fois la nuit tombée, en fait, en général, il y a les grains qui se pointent. Parce qu'en fait, quand on est dans les alizés, il y a des petits nuages qu'on appelle les cumulus. Le cumulus, c'est le petit nuage gentil qu'on dessine quand on est petit, qui fait des petites boucles comme ça. Et sauf qu'en fait, plus on avance vers l'ouest et plus on avance dans l'heure de la journée, plus le cumulus devient actif. Donc au début, c'est un gentil petit nuage qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et en fait, à la fin, ça se transforme en très très méchant nuage qui fait les orages. C'est le phénomène qu'on a l'été chez nous, en fait, les jours où il fait un peu chaud et tout, on voit ces petits nuages apparaître. Et en fin d'après-midi, boum, ça pète et on se prend un gros orage. Donc voilà. Alors l'orage en bateau, c'est pas drôle, mais pas drôle du tout, du tout, du tout. Parce qu'il faut imaginer en plus qu'on est à peu près le seul mât à je sais pas combien de kilomètres à la ronde. Donc en gros, on se dit, bon, la foudre, où est-ce qu'elle a envie de tomber? Voilà, donc ça, c'est quand même un des phénomènes aussi assez effrayants, les bons gros grains et les bons gros orages. Surtout qu'on arrive à peu près, on sait prévoir les déplacements des petits nuages, mais les gros nuages, c'est beaucoup plus difficile. Donc des fois, on essaie de se positionner, mais comme globalement, ils vont un peu plus vite que nous et ils se déplacent un peu n'importe comment, souvent, on s'en prend des gros méchants dans la figure. Et donc, les moments où c'est actif, c'est coucher du soleil et lever du soleil. Donc, au coucher du soleil, c'est déjà pas très drôle, mais encore, on est à peu près réveillé. Et par contre, au lever du soleil, là, c'est pas rigolo du tout, parce que c'est les heures où, généralement, on récupère le mieux. On est bien endormi et on est dans un sommeil profond. Et on peut se faire réveiller, en fait, par un gros grain comme ça. Et si le bateau était réglé avec pas mal de voiles, en fait, le bateau peut vraiment faire une grosse embardée et se coucher complètement sur le flanc avec la voile à l'envers, la quille à l'envers. Et là, pour se dépêtrer de ça, c'est l'horreur. Et donc l'un des moments les moins rigolos de ma transat, ça a été une nuit où je dormais paisiblement. Et c'est arrivé, j'ai un gros grain qui m'est tombé dessus. Et en fait, j'étais mal endormie, j'avais la cheville complètement, la jambe complètement anesthésiée. En fait, je me suis réveillée, j'arrivais plus à bouger ma jambe. Et donc je me suis retrouvée à essayer de me traîner dehors avec le bateau couché à 90 degrés, sans équipement, sans ciré, alors qu'il tombait des cordes pas possibles. Et je me suis retrouvée dehors à essayer de dépêtrer le bateau, voilà, et ça dure une demi-heure. Et ça, c'est vraiment des moments où on se demande pourquoi on fait ça. Heureusement, il y a d'autres moments où ça va mieux, mais ces moments-là, c'est vraiment pas très drôle non plus, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu la journée type, il faut ajouter à ça tout ce qu'il faut pour maintenir le bateau en état, c'est-à-dire que je faisais régulièrement un petit tour du bateau pour être sûr que rien ne cloche, parce qu'en fait c'est bien plus facile d'anticiper, donc vérifier les voiles, s'il y a un petit trou comme ça, le réparer tout de suite, parce que quand ça devient une fissure sur toute la largeur de la voile, là c'est un vrai gros problème et c'est plus réparable. Et ça, c'est valable pour tous les éléments du bateau, et aussi bien les éléments mécaniques que les éléments électroniques et tout ça. Donc toujours essayer de voir dès qu'il y a une petite panne en mer. En fait, l'un des problèmes qu'on rencontre, c'est l'eau salée. Et donc les composants électroniques ont tendance à se corroder beaucoup plus vite. Donc on a des nettoyants spéciaux qu'il faut mettre de temps en temps pour que tout ça, ça se maintienne.
Et donc c'est vraiment un travail quotidien en fait de vérifier tous ces éléments-là et de bricoler au maximum pour garder le bateau dans un niveau de préparation constant et être sûr d'aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, donc maintenant je vais passer un petit moment de bonheur parce que je vous ai beaucoup parlé des petits moments pas rigolos, mais rassurez-vous, il y a quand même pas mal de petits moments de bonheur. Et en fait c'est assez chouette parce que j'ai la vidéo d'un copain donc, qui s'appelle Tanguy, en plus il vient de la même ville que moi. Et il se trouve que je l'ai retrouvé au milieu de l'Atlantique et donc il m'a donné la VHF de Quand on se retrouve. La vidéo, pardon. La VHF en fait c'est la radio avec laquelle on communique, c'est une radio à haute fréquence. Et c'était assez improbable de tomber sur Tanguy parce qu'il avait à peu près la VHF la plus pourrie de la flotte. Celle qui capte bien, on capte à 30 km et celle de Tanguy, c'est à 3 km à peu près. Donc en gros, on le voit quand on réussit à l'entendre. Donc voilà, donc moi j'ai réussi à trouver Tanguy au milieu de l'Atlantique et c'était plutôt chouette. Et ça donne ça. Il est violent celui-là, hein. Bon alors aujourd'hui la journée commence vraiment trop bien parce que c'est mon 15e jour en mer là, j'attaque le 15e jour. Et cette nuit je me disais putain ça fait 10 jours que j'ai parlé à personne là. C'est la première fois que je parle depuis. Enfin c'est la première fois qu'il se passe autant de temps sans que je parle à qui que ce soit. Et j'avais quand même la VHF allumée et là j'entends la voix d'Annabelle. Annabelle c'est une concurrente qui est en prototype là. Pour vous faire un peu le. Annabelle elle fait 1m50, elle pèse 50 kg. Elle fait du proto, elle envoie carrément de la bûche. Et elle est tout le temps en train de se marrer. Donc je crois que c'était la personne à avoir à la VHF. En plus elle vient de Vannes. Donc c'est marrant. Et c'était un petit rayon de soleil de l'avoir à la VHF, ça m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, donc c'est cool, la journée commence très très bien, on a pu discuter de tout et de rien, voilà, comment ça se passait à bord, t'as bien mangé, oui moi aussi, voilà. Et puis se retrouver, elle doit être 7e proto, donc se retrouver avec le 7e proto après 15 jours de mer, c'est pas mal. C'est que t'as bien marché Tanguy. Donc voilà, donc c'est cool, la journée commence bien. Pris mon petit déj et là je vais aller écouter la météo. Avant que le vent ne tombe définitivement. Parce que là j'ai encore un peu de vent mais vu le ciel, je vous montre le ciel. C'est pas vraiment annonciateur de vent cette histoire quoi. Encore des grains, toujours dans le sud, toujours des grains dans le sud. C'est pas comment ils se démerdent mais il y a toujours des grains dans le sud. Moi, c'est bien. Ouais, on parle un peu tout seul sur les bateaux. Bah ouais, hein, quand on est tout seul, on se parle à soi-même. Mais bon, c'est rigolo après quand on regarde. Donc un autre moment super sympa, en fait, c'est les animaux en mer. On croise pas mal d'animaux marins. Et donc notamment des groupes de dauphins. Donc là, on repart avec Jonas. Et donc Jonas et les dauphins. Donc en fait, les dauphins, il y en a deux sortes. Il y en a des solitaires qui se baladent tout seuls. Ceux-là, on les croise un peu moins. Et il y en a des grégaires qui peuvent être en troupeau facilement 30 ou 50. Et en fait, ils adorent venir jouer dans le bateau. C'est vraiment un jeu. C'est-à-dire qu'ils s'amusent à sauter de chaque côté de l'étrave et à passer devant. Et c'est assez impressionnant. Je pense qu'en fait, c'est presque des défis pour eux. Parce qu'il y a les plus gros dauphins, en fait, les gros mâles, ils viennent en premier et ils sautent très très près de l'étrave. Ils passent à 50 cm, 20 cm, c'est hyper impressionnant, on a l'impression qu'on va les taper. Et après, en fait, une fois que ceux-là, ils sont venus, ils s'écartent et c'est des un peu moins gros qui viennent et ils sont un peu moins loin, un peu plus loin, pardon. Et ça continue jusqu'aux mères avec leurs petits qui, elles, restent à un bon mètre du bateau, mais qui continuent, qui sautent quand même autour du bateau, autour de l'étrave. Donc ça peut durer 10 à 30 minutes et c'est vraiment des moments magiques en fait. Depuis que je suis toute petite, j'en avais vu, mais je peux vous dire qu'à chaque fois que les dauphins sont là, c'est vraiment émouvant et on redevient vraiment un enfant parce que c'est assez impressionnant. Ils sont vraiment conscients de notre présence. Hein. Quand ils sautent comme ça à côté du bateau, on les voit vraiment nous regarder avec leur œil et tout.
Donc je pense qu'ils savent vraiment ce qui se passe et ils sont vraiment là. Ils ont vraiment le but d'être là, quoi. Donc ça, c'est vraiment parmi les moments vraiment sympas. Après, il y a aussi des épiphanies, quoi. Quand on regarde la carte et puis on se rend compte qu'on est au milieu de l'Atlantique tout seul, là, ça fait des petits moments de révélation, de se dire waouh. Mais c'est des bons moments aussi, en fait. C'est des petits moments où on se dit qu'on est une goutte d'eau dans l'océan. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien, cette sensation. Je suis quelqu'un qui aime particulièrement la nature, qui pratique beaucoup de sports outdoor en dehors du bateau. Je fais aussi de la rando, je fais un petit peu de montagne et tout. Et je dois dire que quand on est en mer comme ça ou en montagne, on se rend compte combien la nature est belle et combien on n'est pas grand-chose. C'est aussi pour ça d'ailleurs, tout ça c'est lié à mon engagement sur les biocomposites. Quoi. Je pense qu'il n'y a pas tout ça, ça fait partie d'une même envie. Quoi. Voilà, donc de dauphin en pétole, en rencontre VHF avec mes concurrents, je suis quand même au bout d'un moment arrivé en Guadeloupe. Et donc voilà, je vous mets les vidéos de l'arrivée. Ouais, elle fait péter quand même. Elle était première féminine en proto. Bravo. Regarde-nous. Attention. 15 mètres. Top. Ouais. Ouais, c'est coupé. Bravo. Bravo à la belle. Ensemble.
Qu'est-ce qu'il y a? Il avait des trucs de... Touche mon poche. Et voilà. Donc, en conclusion, je vous encourage vraiment, vraiment à suivre vos passions et à croire dans vos projets et à y aller. Parce que je pense que ce qui fait tout, c'est la motivation et la passion. Donc croyez en vous, si vous avez envie d'aller quelque part, allez-y. Et vous laissez pas démonter. C'est vrai que ça demande de la persévérance. Des fois c'est un peu dur, mais je vous promets qu'à la fin, ça vaut le coup. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été là ce soir. Je vous remercie de partager ces moments-là avec moi. Et j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne continuation. Et si vous êtes vraiment fan, j'ai encore des maquettes à vendre et des t-shirts. Je vous donnerai l'autocollant UTBM à mettre sur la voile. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont des questions. J'espère de manière complètement informelle, il n'y a pas de souci. Voilà, enfin, c'est comme vous le sentez. Moi, j'en ai Alors en fait, comme je l'expliquais, sur la route aller de l'Europe vers l'Atlantique, on descend au sud, capter les alizés, et ça se passe assez bien. Par contre, le retour, en fait, il faut rester au nord et revenir avec les dépressions. En fait, le retour est beaucoup plus mouvementé et au final, pas vraiment approprié pour des bateaux de 6,50 m. Ça le fait pour des plus gros bateaux. Mais nous, en fait, on a des dérogations par les autorités maritimes qui nous permettent de faire des courses comme ça. Et c'est parce que, justement, on fait l'aller en descendant dans le sud et en ayant un point de passage obligatoire aux Canaries, parce que même si l'étape avait été supprimée, on était quand même obligé de passer par les Canaries. Mais au retour, on n'a pas le droit, en fait, de revenir avec les bateaux. Donc, du coup, on les met tous sur un cargo et on rentre tous ensemble. Enfin, les bateaux rentrent en cargo. Nous, en général, on rentre en avion. Voilà. Ah, j'ai une question, mais c'est au niveau du budget de cette aventure. Tu peux nous dire le budget que ça représente? Ouais, bien sûr. Donc moi, mon aventure, j'étais partie sur une recherche de budget de 50 000 euros. Au final, je me suis débrouillée avec 40 000, sachant que j'en ai mis la moitié de ma poche. Et voilà. Donc, ça veut dire que j'ai quand même trouvé 20 000 euros, donc c'est pas mal. Bah, en fait, le nom du projet, je l'ai trouvé un peu vite. Je pense que si je passe à la suite, je redonnais peut-être un nouveau nom, j'ai des nouvelles idées. Mais en fait, si tu veux, c'est pour parler des biocomposites, parce qu'on dit soit les biocomposites, soit les agrocomposites. Et en fait, j'aurais pu faire bio 650, mais je trouvais que c'était un peu ambitieux quand même en termes de com, donc je me suis limitée à agro 650. Voilà, 650, c'est pour le mini 650, qui est le nom des bateaux sur lesquels on navigue pour cette transat. Bah, sur les fibres de lin, moi, de toute façon, j'avais pas trop de doutes sur la validité des fibres, parce qu'en fait, le bateau avait déjà fait une transat avec son propriétaire. Et donc, du coup, j'étais pas très inquiète sur la solidité du matériau. Mais encore une fois, le but, c'était plus de continuer à faire naviguer le bateau, parce qu'en fait, sur le composite, et surtout en milieu marin, ce qu'on aime bien, c'est un retour environ d'une dizaine d'années. Donc là, le bateau a navigué 4 ans, donc il faut qu'il continue à naviguer, il faut qu'il y ait d'autres bateaux aussi qui soient produits en fibre de lin. Aujourd'hui, il y a un autre bateau, un trimaran qui s'appelle Gualaz, qui a été produit par Kairos, donc par Roland Jourdain, enfin son équipe. Et voilà, donc ça fait 2 bateaux, et en fait, mon projet suivant, c'est de construire le 3e bateau, donc aura une proportion de fibres un peu plus importante, mais là, par contre, on parle d'un budget nettement supérieur, parce que construire un bateau, ça coûte vraiment des sous, quoi. Voilà. Non, en fait, c'est pas une couche en carbone à l'intérieur.
C'est en fait, c'est la coque elle-même, elle est en fibre de lin, en sandwich, hein. Il y a de la mousse entre les fibres. Et par contre, la structure est en carbone, donc les raidisseurs, ce qui concerne le mât, la cloison de mât, toute la structure qui tient la quille. Parce qu'en fait, comme c'était le premier bateau, il ne fallait pas que ces éléments-là se dégradent d'un coup, parce que les éléments structuraux, quand ils se dégradent, c'est une petite fissure, et ça peut être dans les deux heures qui suivent, l'élément qui se crache complètement. Et donc, sur le premier bateau, on ne pouvait pas risquer ça. Donc la démarche était plutôt intelligente, parce que sur les panneaux de coque, s'il y a une petite fissure qu'on voit apparaître, ben, ce n'est pas très grave, c'est assez vite, même en nav, on peut repasser un tissu, faire une strate, et réussir à continuer. Et s'il y a une dégradation, ce sera une dégradation locale, donc ce sera pas, ça ne mettra pas l'intégralité du bateau en danger, quoi. Vous faisiez comment pour l'eau potable, pour laver vos vêtements, pour vos besoins? En fait, pour les besoins, on a un seau, c'est à l'ancienne, donc voilà, tu remplis un peu d'eau de mer, tu fais ce que tu as à faire et hop, ça marche bien aussi, hein. Et pour ce qui est de l'eau pour boire et pour se laver, en fait, moi, j'avais embarqué 110 litres d'eau. Grosso modo, je buvais à peu près 2 litres par jour. Et en fait, j'avais des bidons de 10 litres. Et donc, du coup, tous les 3 jours à peu près, je re-remplissais mes 6 bouteilles d'eau d'un litre. Et avec les 4 litres qui restaient, je faisais une petite douche à l'ancienne, quoi, au gant de toilette. Voilà, et j'essayais de récupérer l'eau de ma douche pour nettoyer aussi mes fringues. Donc voilà, avec 4 litres d'eau, j'arrivais à me laver et à faire une petite lessive. C'est probablement pas une propreté suffisante pour aller au boulot le matin, mais bon, hygiéniquement, ça va. Ouais. Oui, en fait, de toute façon, j'ai envie de continuer de naviguer. Et j'ai été salariée pendant 6 ans et je pense qu'aujourd'hui j'ai moins envie d'être salariée en fait, j'ai quand même plus envie d'entreprendre mes propres projets et d'avoir la liberté que ça donne en fait, d'avoir ses propres projets. Donc du coup, je suis en train de monter un projet donc pour construire un bateau avec plus de fibres de lin. Bon, ça prend du temps à monter hein, parce que donc déjà rien que le plan de financement, le calendrier... le dossier de com, etc., tout ça, ça prend du temps à faire. Et en plus, en parallèle, j'essaie aussi de sécuriser ma situation personnelle financière en trouvant des petits accros, des petits moyens de gagner de l'argent, en venant donner des cours à l'UTBM et autre chose. Voilà. Donc, je pense continuer. J'espère pouvoir construire un nouveau bateau avec plus de fibres. Et j'ai aussi d'autres projets pour après, de toute façon. J'ai jamais manqué d'imagination, donc ça va, des projets j'en ai. Et voilà, bon, bah, je pense qu'on peut, on peut dire que c'est bon. Merci de m'avoir écouté, et puis si vous restez un ticket, allez le déguster.